Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur comment améliorer l'étanchéité de vos decks sur vos trottinettes. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ouvert la mienne, c'est une Speedway 4, évidemment ça s'applique pour tout type de trottinette. Donc j'ai retiré la plaque supérieure, comme vous pouvez voir ici, on a le joint, la batterie en dessous. D'ailleurs, bon, petite astuce au passage, j'ai mis des mousses parce que la batterie elle arrive en fait un peu en dessous du niveau du deck et a tendance à sauter quand il y a voilà, des aspérités sur la route. Donc j'ai mis ces mousses pour pouvoir la caler, il y a des mousses également en dessous. Bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous partage donc mon astuce pour améliorer l'étanchéité du deck. Et en fait, il s'agit d'utiliser de la graisse que je vais venir étaler partout, tout autour en fait, où se situe le joint, à la fois sous le joint, mais aussi au-dessus du joint. Alors pourquoi la graisse? Alors déjà ça va permettre d'améliorer la vie entre guillemets de votre joint. Ça va l'éviter de sécher et de perdre ses capacités de joint justement, voilà, de bloquer l'humidité et aussi les poussières par exemple. Mais également ça va du coup rajouter un peu d'épaisseur. Par exemple, si jamais votre surface métallique n'est pas parfaitement plane. Également votre deck, votre plaque qui peut être légèrement déformée à force, eh bien rajouter une petite couche de graisse viendra justement absorber ces défauts-là et viendra rajouter du coup une épaisseur un petit peu tampon par rapport à ces défauts. Et voilà, compenser tout ça et donc améliorer la résistance à l'humidité et aux poussières. C'est une méthode très efficace puisque après de longs usages, je vérifie toujours de temps en temps et j'ouvre mes trottinettes. Et grâce à cette technique, j'ai rien qui rentre, même dans des conditions pluvieuses ou particulièrement sales. Donc là, je vais le refaire devant vous. Comme vous pouvez le voir, je viens déjà d'en mettre sur toute la longueur ici, également derrière. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est j'en mets au bout de mon doigt comme ça, comme ceci. Et je viens donc l'étaler. Il faut qu'il y ait quand même une couche suffisante. Et voilà. Et je fais tout le pourtour. Comme ceci. Voilà. Partout où il y aura le joint, je viens mettre une petite couche de graisse avec le doigt. Ça y est. Tout le pourtour est graissé. De devant à derrière. J'ai oublié de préciser que la graisse que j'utilise, c'est une graisse mécanique assez standard, mais qui a la particularité de résister à l'eau. Donc c'est une graisse qui reste bien en place, qui est faite en fait pour, voilà, malgré des éléments tournants par exemple, ou qui bougent, va rester en place et c'est le genre de caractéristique que l'on cherche ici. On ne veut pas une graisse qui coule par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, toute graisse à peu près de ce style-là fera bien sûr l'affaire. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner donc notre joint et refaire exactement le même travail, cette fois-ci par-dessus le joint. Voilà, mon joint est en place et il ne me reste plus qu'à faire exactement la même chose. Donc passer de la graisse sur l'entièreté du joint. Ça y est, la graisse est appliquée partout. Je vais pouvoir donc repositionner ma plaque supérieure et tout refermer. Ça y est, le deck est refermé, la trottinette est prête à l'emploi. Voilà, bon là j'ai dû essuyer un petit peu parce que forcément lorsque vous resserrez les vis, il y a un peu de graisse qui peut ressortir par les côtés, donc ça c'est tout à fait normal. Je tiens à préciser que c'est une technique qui peut également être utilisée par exemple pour tous les caches plastiques, notamment à l'avant, qui sont aussi sujets à de la prise de poussière et d'eau potentiellement. Donc ça peut être également une bonne astuce d'en insérer également sur les côtés. Bien écoutez, j'espère que cette astuce vous aura plu, vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour d'autres vidéos de ce style et également d'autres vidéos, là, par exemple comme des essais ou de la réparation de trottinette, etc. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram, MaxiMove, où je partage des photos, des infos aussi. Par exemple, là, je vais avoir un nouveau projet de réparation sur une très belle trottinette, mais je vous en dis pas plus, qui fera aussi sujet de vidéos, je pense plusieurs.
Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.